Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 32e épisode du Let's Play sur Stories of Bethlehem. Dans l'épisode précédent, on a quitté la forêt indigo. On était à Pierre Island, là où il y avait le château du roi, et on a attaqué le premier donjon de la forêt indigo, le premier niveau. J'ai réfléchi à comment. Non, en plus j'étais bien dans le mido. Comment rentrer dans le temple que je n'arrivais pas à faire au niveau de Heavenly Peak. Et donc je me suis rappelé qu'il fallait que j'utilise tout simplement la foudre. Je vous avais dit que c'était un truc très très bête pour le faire, donc on va aller faire ça. Petite esquive. Alors le temple est en plus assez bizarre, vous allez le découvrir par vous-même. Alors, est-ce que c'était par là? Je sais plus si c'était de quel côté. C'était par là ou... je crois que c'était là. Mince, j'ai pas fait attention. Hop, là on prend l'orbe de foudre. Et voilà. Donc là ça va nous mettre une échelle pour entrer dans le donjon. Je vous avais dit que c'était un truc très très bête hein, pour entrer là-dedans. Mais souvent on ne pense plus aux choses très très bêtes. Là, le temple, on ne sait pas. Je crois qu'une fois qu'on sera rentré, on va être enfermé dedans. Qu'est-ce que tu fais? C'était mon Gouloumou mutant. C'était mon bug. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour... Je ne vais pas t'ouvrir ce chemin. Qui es-tu pour entrer à l'intérieur et détruire mes créations? Je te maudis. Tu ne pourras pas quitter ce manoir buggé tant que tu n'auras pas trouvé les 5 patchs. Tu devras toucher tout ce que j'ai créé. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Mais ce n'est pas tout. Ah, hello Komina. Obtiens les 5 patchs et tu obtiendras ta forme originale. Reviens dans cette pièce lorsque tu les auras jolies, Komina. Donc là, on voit en haut de, juste en dessous de mes points de mana, il y a 5 petits trucs qui sont apparus. Par exemple, là, on voit les cœurs, ça me blesse.
qu'il faut surtout pas que je prenne de cœur, par exemple. Là, on voit, il y a un chemin en bas. Là, je peux me soigner. Ah oui, non, ok. Voilà, par exemple, là, en plus, en brûlant les feuilles, ça explose. Oh, le poulet. Donc là, on voit par exemple quand on tire vers le. Donc là, les trucs sont inversés, on va dire. Donc. On va ressortir de là parce que mince, j'aurais pu le. Non, c'était ça en plus. Non, par le bas. Et là, on aura réussi. Aïe. Alors je crois qu'il y a un truc. Peut-être avec les fleurs. Sinon, on peut peut-être monter sur un truc. Y a un truc bizarre, c'est sûr, mais je ne sais plus.
Apparemment, on peut passer au niveau des murs, etc. Mais. Et en plus. Bien joué, Boulet, hein. Je vous l'ai dit, des fois, je réfléchis pas. Là, je pense que j'ai pas pris la bonne route parce que déjà il me faut une. Alors, je suis même pas sûr qu'il me faille une clé. Mais je pense que j'ai pas pris la bonne route pour commencer. Alors là, vous voyez, c'est le truc tout bête, hein. On se dit, tiens, comment on active le truc? On a trouvé un patch. Donc là, on se dit, bah mince, je peux pas passer. Bah oui, bêtement, en fait, on peut passer par l'eau. Donc là, pour le moment, je peux pas encore passer. Ah oui, là, vu que je rentre par là. Là, ce qui est très bête, c'est qu'on me met des cœurs qui me blessent et que je ne peux pas éviter. Aïe. Là, je ne peux que le pousser tout droit. Donc là on voit que celui-là il traverse le mur. Aïe, faut peut-être que je monte. Voilà, donc là maintenant on peut traverser les murs, mais ça ouvre le passage là. Alors maintenant faut trouver le chemin pour récupérer le coffre. Aïe. Ah, bon, on verra peut-être un peu plus tard. Je sais plus comment on le récupère. Ça, c'est pas grave. Là. On sait que la zone est buggée, hein, donc.
Voilà, je crois que j'ai pas besoin de clé. Celui-là, c'est fait. Vous voyez, c'est vraiment sympa quand même parce que ça casse vraiment tous les codes qu'on a pu avoir dans le jeu. Hop. Désolé. Alors là, c'est pareil. On peut pas mettre de terre. On peut juste avancer. Donc, faut trouver le bon chemin. Mince. Non. Non. Mince. Ok. C'était là. Non. Non, celui d'après. Mais non. Là, voilà, tu te retournes. Ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut faire. Je ne sais plus. Mais non, ah oui, non, je sais pourquoi je suis tombé vu que j'ai pas avancé sur le carreau. Mais comment on y va? Je ne sais plus. Sinon, il y a un truc en récupérant.
Alors franchement, je vous avoue que je sais plus. Il y a des trucs que je me rappelle un peu parce que j'avais galéré pendant un bon moment. À moins que je récupère peut-être une clé dans le truc. Ce qui me permettrait d'ouvrir la porte en haut. Hop, un deuxième patch. Ah oui, c'est ok. Sûr qu'il y a un truc comme ça, par là. Une clé. Qui va nous permettre d'ouvrir la porte en haut. C'est vrai que quand on connaît pas du tout, on est vraiment perdu dans ce manoir. On va aller se soigner un tout petit peu quand même. Mais je vous avoue que j'avais galéré beaucoup plus que ça, hein, quand j'avais fait pour la première fois. Là. Troisième patch. Non, ne tombe pas, voilà. Non, on a dit ne tombe pas. Donc là, il me manque deux. Il me manque deux bougies. Enfin, deux. De patch.
Alors celui-là, je ne me rappelle plus. Ça, je sais. Je suis quasiment persuadé que c'est de l'autre côté qu'on peut récupérer. Je peux pas y aller. Mais non, mais va plus doucement. Clac. Je suis quasiment persuadé qu'il y a un truc comme ça, mais... Déjà, on va aller récupérer celui d'en bas. On va pas s'embêter avec ça. Comme de toute façon, la sortie est en haut. On a trouvé un patch pour la maison. Y a pas un truc par là. Ouais, se soigner.
Et en plus, je suis sûr qu'il me manque le plus simple. Quasiment persuadé que c'est derrière le... Voilà. C'était ça. Ok, on a les 5 patchs. C'était pas d'un côté, c'était de l'autre. On va refaire une petite sauvegarde parce que je crois qu'il y a plein de monstres qui nous attendent après. Une grosse maison de fou, j'ai patch maintenant. Incroyable. Tu joues très bien avec les bugs du jeu. Eh bien, j'ai promis, donc je dois le faire, je crois. S'il te plaît, laisse-moi aller, laisse-moi partir ici, je dois sauver mon père. Très bien. Je vais te ramener à ton état précédent. Laisse-moi te dire que je me suis beaucoup amusé avec toi, Coma. Il y a un cadeau pour toi dans la prochaine pièce. Ça révélera plus facilement les auras des monstres. Bien, j'adore les récompenses. En dehors des bugs. Fais attention aux bugs. On a trouvé le costume de Comina et donc ça nous permet d'avoir plus facilement accès aux auras des monstres. Voilà, on aura réussi la maison des bugs en une demi-heure à peu près. Et surtout que je pense qu'en une dizaine de minutes ça peut le faire. Il faut juste vraiment se rappeler de ce qu'on doit faire. Allez, on va s'en aller de là. Combien de médailles en 3 toujours? Ok. Non, pas les flammes. Ne tombe pas, Coma. Merci.
On va pouvoir retourner. À la forêt indigo. J'aurais bien aimé récupérer un peu de magie, mais bon, c'est pas très. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode en let's play. Pour le Twitch, on se retrouve tout de suite. Et pour YouTube, on se retrouve très bientôt. À bientôt, ciao!